C'est plus dur de voir dans le noir sans l'aide de la lumière. Quand l'obscurité s'installe, on doit régler nos yeux. Quand l'obscurité s'installe, nos yeux doivent s'y habituer. Sans lumière, c'est l'obscurité. Trouvons d'autres sources de lumière. Vois-tu la lumière? La lumière nous permet de voir. Vois-tu la lumière? La lumière nous permet de voir. Vois-tu la lumière? La lumière nous permet de voir. Vois-tu la lumière? La lumière nous permet de voir. Il y a plusieurs sources de lumière. On ne les citera pas toutes. On nommera quelques-unes. Celles qui chassent l'obscurité. La plus grande de toutes, c'est le soleil dans le ciel. Qui brille la journée jusqu'à l'heure du coucher. Et vient son ami la lune pour nous guider dans la nuit. Les étoiles dans le ciel donnent une douce lumière dans la nuit. On peut s'asseoir autour d'un feu et raconter des histoires. Quand on n'a pas d'électricité, on se sert de la chandelle. Si on a l'électricité, on met toutes les lumières en marche. Pour certains animaux, pas besoin de lumière. Mais l'ombre a besoin de lumière pour pouvoir être visible. Les reflets aussi, pour qu'on puisse les voir. Il y a plusieurs sources de lumière, on ne les citera pas toutes. Vois-tu la lumière? La lumière nous permet de voir. C'est plus dur de voir dans le noir sans l'aide de la lumière. Quand l'obscurité s'installe, on doit régler nos yeux. Quand l'obscurité s'installe, nos yeux doivent s'y habituer. Sans lumière, c'est l'obscurité. Trouvons d'autres sources de lumière. Envie de suivre les aventures des petits Oubongo? Cliquez sur s'abonner, puis cliquez sur la cloche.